J'appelle à la barre une représentante des familles sinistrées, la cousine de Shérif. Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes très fiers d'avoir créé notre association. J'espère, avec notre courage et notre colère par rapport à la mairie, qu'on pourra aider beaucoup de familles. Au jour d'aujourd'hui, on voudrait remercier, ni la mairie ni personne n'a été aidé par quelques élus, soutenus, aidés moralement, et je vais quand même citer leurs noms. Ça a été Samia Ghali et Benoît Payan. C'est les deux personnes qui nous ont aidés. Au jour d'aujourd'hui, vous le savez qu'il y a beaucoup de familles qui ont rapatrié les corps et les frais d'obsèques qui n'ont jamais été remboursés, comme la famille de Shérif ou la famille de Ouloum, si je ne me trompe pas, qui n'ont toujours pas été remboursés. C'est un scandale. Parce que monsieur le maire l'avait annoncé à la télé qu'il prenait tout en charge. C'est faux. Je veux quand même que vous le sachiez. Il y a des familles qui ont payé tout de leur poche. Nous, au jour d'aujourd'hui, monsieur Méry, je dis bien son nom, devait voter pour la famille de Shérif au conseil municipal notre remboursement qui est à peine de 800 euros pour des billets d'avion qui n'ont pas été remboursés, que ça a été à nous, à notre charge, nous, des ménages moyens. Et le corps de Shérif a été rapatrié par le consulat algérien. Il devait le prendre en charge. 4000 euros. Shérif n'a pas été aidé par la mairie. Il a été rapatrié par son consul. Au jour d'aujourd'hui, c'est un scandale que les familles ont tout payé de leur poche. Alors moi, j'attends quoi? Moi, je dois retourner en Algérie parce que chez les musulmans, c'est un peu plus compliqué. On doit retourner pour les 40 jours. Monsieur Méry ne m'a pas remboursé mes billets. Comment je m'en vais, moi, le 24 ou le 25? Avec quel argent? Il dit que c'est l'argent des contribuables. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez faire voter une loi pour les cousines parce que les remboursements, c'était que ascendant, descendant. Je suis d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, les cousines, ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas été aidés. On a été aidés par deux élus. C'est tout. De tous les gens qui travaillent à la mairie. C'est une honte. 8 personnes sont mortes. Plus de 1000 personnes ou 2000 personnes, 1200 personnes sont à la rue. Noël, il arrive. Vous avez trouvé quelqu'un qui nous a reçus ou qui a aidé des familles ou qui a nourri des familles? Il n'y a eu personne. Voilà ce que je voulais dire. C'est une honte auprès de la mairie. Voilà. Ils ne nous ont pas soutenus. Et j'avertis monsieur Méry, j'attends encore mon remboursement. Hein. Voilà. Merci.